à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour, Shavuot Tov. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, le Yom Rishon de la Parashat de Vayikra, Chav Vav Adar et Tafshin Pe Gimel, Shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Dans notre Chumash, on nous explique comment HaKadosh Baruch Hu, après avoir dit à Moshe Rabbeinu comment est-ce qu'il devait construire le Mishkan, il va lui détailler comment faire les korbanot. Les korbanot, c'est les sacrifices que les bénis d'Israël devaient apporter au Beth Amikdash, mais aussi au Mishkan, avant d'arriver au Beth Amikdash. Le Chumash Vaikra commence par ces mots-là. Vaikra Hashem El Moshe. Et Dieu appela. Vers Moshe. Mais qu'est-ce que cela veut dire, vers Moshe? Et qu'est-ce que cela veut dire qu'il l'a appelé? La lettre Aleph, qui est dans le mot Vaikra, vous pouvez le voir dans le Chumash, elle est toute petite. Elle est plus petite que les autres lettres, pour nous montrer la modestie que Moshe Rabbeinu avait. HaKadosh Baruch Hu va parler avec Moshe Rabbeinu et va lui expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant ces sacrifices-là, pendant ces korbanot. Il lui parlera entre les Kruvim, les chérubins qui étaient sur le Aaron. Et bien que cette voix-là sortait d'entre le Mishkan, personne ne pouvait l'entendre si ce n'est Moshe Rabbeinu. Aucune personne qui était à l'extérieur des Bnei Israël ne pouvait l'entendre. Même pas Aaron HaKohen, qui se trouvait à l'extérieur du Ohel Moed. HaKadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu d'enseigner tout cela aux Bnei Israël. Il fallait qu'il leur explique comment faire ces korbanot. Il y a différentes halachot qui sont détaillées dans notre paracha, dans la paracha de Vayikra, et en particulier aujourd'hui dans notre chumash du jour. Et on va commencer par le korban ola. Le korban ola devait être fait et apporté d'un animal pur, mâle. Il devait venir aussi également de ces animaux qui grandissent dans les cours, qui grandissent dans les étables, dans les fermes. Non pas des animaux qui vivent tout seuls dehors, à l'extérieur. Cet animal devait appartenir à quelqu'un, surtout à la personne qui l'accompagnait et qui l'a porté au Beth Amikdash. Elle devait être en bonne santé et qu'elle n'ait jamais été utilisée pour faire une avéra. L'homme devait vouloir apporter ce corban-là et il ne fallait jamais l'obliger à apporter le corban. Il fallait qu'il soit volontaire. Ce corban-là, il est appelé ainsi parce que ça vient du mot « la'alot », faire monter. Il montait complètement, il était consumé dans le feu qu'il y avait sur ce misbéach-là, et il montait directement chez HaKadosh Baruch Hu, complètement. Et au moment de l'apporter, on demandait à HaKadosh Baruch Hu de l'accepter, et pour lui demander d'accepter ce corban, on posait les mains sur la tête de l'animal. On procédait à la shrita de l'animal. Le Kohen devait prendre ensuite le sang et asperger le misbéach. Ensuite, on retirait la peau de l'animal et la viande de cet animal-là était coupée en plusieurs morceaux, comme la Torah nous l'enseigne. Ces morceaux de viande et la tête de ce corban, de ce sacrifice, étaient posés sur le bois qui se trouvait sur le misbéach. Les parties intérieures de la bête qui n'étaient pas propres étaient rincées et lavées et ensuite posées également sur le misbéach afin que tout l'animal puisse être posé sur le misbéach et être consumé par le feu qui montait jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de Hadar, Chavav. Et donc, nous lisons la deuxième partie du grand Tehillim, Kufyutet. Ce Tehillim-là, il est très particulier. Parce qu'il y a, dans ce Tehillim, tout l'alphabet. Dans un de ces versets-là, nous voyons un verset très joli. Sas anochi alim ratecha kemotse shalal rav. David Amelech dit comme ça, je suis tellement joyeux et heureux quand je prononce tes mots, les mots, ta parole, la parole de la Torah. Comme cette personne-là qui peut trouver un trésor. Avez-vous déjà trouvé un trésor? Eh bien, David Amelech, lui, lorsqu'il prononçait les mots de la Torah, il trouvait que c'était des trésors. Le papa du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, explique ce verset-là et dit, les premières lettres de ces mots-là viennent nous dire et nous apprendre un mot qui nous correspond à toutes et tous. Le mot « kacher ». « Kemotse shalal rav » comme celui qui trouve un butin, c'est-à-dire un trésor. Eh bien, le trésor ici, c'est le mot « kacher ». Quelque chose qui nous paraît insignifiant.
Ça a l'air tout petit. Ça a l'air une petite chose qui peut nous paraître sans importance. Eh bien, ça peut nous permettre de combattre le Yetzer Hara et de se renforcer. Et c'est quelque chose d'important. Même ce qui est tout petit, eh bien, ça a l'importance d'un trésor énorme. Faire attention à la cache-route des aliments, un petit bonbon, une petite chose, respecter chaque petit détail de la cache-route, eh bien, c'est aussi important qu'un grand et beau trésor. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le chapitre 37. Et nous sommes Chaf Vav Adar d'une année Pshuta, Shana Pshuta. Toutes les Neshamot, le Rabbi Shmuel Zalman de Liadi nous dit ici dans le Tania, du peuple juif, doivent agir ensemble avec unité et union, afin de transformer le monde dans lequel nous vivons en un endroit où on pourra voir la présence d'Hachem. C'est réellement pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre dans ce monde si particulier, dans ce corps si étroit. La Neshama a été envoyée dans ce monde-là. L'âme n'a rien besoin de ce monde-là. Ce qu'elle a besoin, c'est d'agir ici-bas. La Neshama, elle était très bien auprès d'Hachem, à côté du trône céleste, dans le ciel. La seule et unique raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de faire descendre l'âme ici-bas, dans un corps et dans un monde, c'est pour la transformer en une Dira Bet Artonim, une demeure pour que Dieu puisse y résider. Un endroit où Akadosh Baruch Hu, où Dieu pourra, lui, être bien et être serein ici-bas, dans ce monde-là. Alors, c'est un effort de chaque moment, de chaque instant. Oui, ça peut nous paraître difficile de combattre les difficultés du monde, mais Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il nous accompagne, nous aide à accomplir chaque action que nous devons accomplir pour faire de ce monde-là un lieu où il pourra résider, dans la Kdusha. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom aujourd'hui, Chaf Vav, et nous allons faire donc le Chaf Vav Adar Aleph et le Chaf Vav Adar Bet. Le Ayom Yom nous dit aujourd'hui que si un homme aime étudier la Torah qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, si un homme aime accomplir les mitzvot, eh bien il a cette nécessité-là de réveiller un autre juif, d'encourager un autre juif lui aussi à accomplir les mitzvot et à étudier la Torah. Il doit tout faire. Et si un homme travaille dur pour cela, il faut travailler dur, comme le rabbi de Lubavitch nous l'a dit, il faut faire des efforts pour cela. Eh bien, c'est sûr, le rabbi nous le promet qu'on aura une réussite. Le rabbi nous a enseigné comment est-ce qu'on peut renforcer l'amour d'Hachem avec l'amour de la Torah. Comment ? Lorsque on aime un autre juif, donc il y a la Ahavat Israël, la Ahavat Torah et la Ahavat Hachem, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour de son prochain. Lorsque j'aime mon frère juif, alors à ce moment-là, je peux aimer la Torah et je lui fais aimer aussi, lui, la Torah. Et lorsque lui aime la Torah, alors il aimera Dieu aussi. Et puis moi aussi, je pourrais aimer encore plus Dieu que je ne l'aime déjà aujourd'hui. Donc, ces trois-là, principes-là, vont ensemble. Je suis obligé de regarder mon frère juif et de l'aimer, de lui donner de l'importance autant que moi j'en ai à mes yeux. Il faut se rappeler d'une chose. Il n'y a jamais personne qui serait plus important qu'une autre personne. Nous sommes tous le même âme Israël, le même peuple juif. Et quand on sait qu'on a quelque chose de plus dans notre étude de la Torah, dans notre pratique des mitzvot, ça n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais c'est pour se rappeler qu'on a quelque chose à leur apporter, à leur transmettre. Ils sont là pour nous permettre à nous de faire cette mitzvah-là de Ahavat Israël. Le Ayom Yom de Chaf Vav Adar Bet nous rappelle ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme à travers les trois essentielles mitzvot qui font partie de celles que les femmes reçoivent. La première chose, les femmes doivent faire attention à l'éducation des enfants. Deuxième chose, elles doivent faire attention à ce que la nourriture soit cachère comme il faut à la maison. Troisième chose, de bien faire attention au Shabbat, à garder le Shabbat comme il faut. Chinour, kashrout et Shabbat. Si la maman se soucie de son foyer, de sa maison, et elle fait tout ce qu'il faut pour cela, alors à ce moment-là, cela lui permet, Chochmot Nashim Banta Beta, de construire une belle maison. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à vivre cela comme il faut.
Et voilà, c'était le Rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à le partager avec vos amis, c'est important. Abonnez-vous, hein, et envoyez vos dédicaces sur toraaudio.fr ou sur ritat.fr. Invitez vos amis aussi également à recevoir, en nous envoyant un petit message, pour recevoir le Ritat tous les jours. Partagez-le avec vos amis. C'est le Rabbi qui le disait, que c'est important d'étudier le Ritat tous les jours. Un peu de Chumash, un peu de Teilim, un peu de Tania. De belles notions de Torah. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour ces jeunes Bachourim qui aujourd'hui vont aller passer un examen très important, qu'Hachem leur donne beaucoup d'inspiration, de concentration, et d'intelligence et de sagesse, et de tranquillité et de joie pour réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, une belle réussite, qu'Hakadosh Baruch Hu soit avec vous pour une belle réussite matérielle et spirituelle. À très bientôt, Shavua Tov à toutes et à tous, et on se dit à très très bientôt pour le Ritat.